touchez pas, amis téléspectateurs, à votre récepteur, il n'est pas en dérangement. C'est bien l'escargot qui est là, après 4 rendez-vous remis, fin mars. Raison d'État. Le 26 avril. Raison d'État. Le 10 mai. Raison d'État. Le 23 mai. Raison d'État. Eh oui, mais il est là, finalement. Il est bien là, avec toutes ses cases, toutes ses lumières et toutes ses dents. Alors, on l'applaudit, ces escargots. Autour de cet escargot, nos deux premiers concurrents, que nous applaudissons parce qu'il faut les mettre en confiance. Monsieur, madame, bravo. Monsieur, madame, bravo, vous venez de quelle région? Paris 9e. Paris 9e. Vous n'avez donc pas eu beaucoup de chemin à faire pour venir ici sur ce quai de la Seine. Alors, votre prénom, monsieur Grebeau? Claude. Votre prénom, madame Grebeau? Michel. Votre âge, monsieur Grebeau? 34 ans. Je ne demande jamais celui d'une personne de sexe féminin. De toute façon, elle ne les fait pas. Elle ne les fait pas. Merci, monsieur Grebeau. Et vos distractions préférées? J'aime beaucoup le tarot. Et vous, madame Grebeau? Je n'aime pas le tarot. Ça doit passer, ça doit vous préparer le bon moment. Enfin, vos professions respectives? Programmeur-analyste. Programmeur-analyste, ça veut dire? Je fais de la programmation sur ordinateur. Oh, alors, vous êtes déjà quelqu'un de technologiquement très, très, très évolué. Et vous, madame Grebeau? Je suis rédactrice juridique. Ah bon, encore d'ennui, alors on sait à qui on aura affaire. Hein. Voilà. Donc, il faut absolument que notre règlement ait la moindre faille. Alors, jetons maintenant un petit coup d'œil sur cet escargot. Il comporte 21 cases. Et vous allez disposer de 10 coups de dés pour aller de case en case. À chacune de ces cases correspond une chanson ou extrait de chanson et une épreuve s'y rapportant plus ou moins. Alors, les tarifs maintenant. Si vous tombez sur une case rose, l'épreuve vaut 100 francs. Une bleue, 200 francs. Une jaune, case antenne 2, c'est bien normal, 300 francs. Vous pouvez par ailleurs améliorer sérieusement votre score, vos tarifs, en mettant avant chacune, monsieur et madame Grebeau, avant chacun des coups de dés, cette plaque de 500 francs, comme au casino, vous voyez, sur la case de votre choix. Je vous signale au deuxième tour, lorsque vous serez passé par la case 21, vous aurez le droit à une plaque de 1000 francs. Alors maintenant, je vais vous présenter nos invités. Car en effet, ils vont jouer un rôle très important, nos invités. À chacune des épreuves, vous aurez pouvoir de désigner un de ces invités pour venir répondre à vos côtés, à votre place, ou vous aider. C'est vous dire avec quel soin nous les avons choisis. Et c'est avec quel soin nous allons maintenant les accueillir. Par exemple, les frères ennemis, une ovation. Je voudrais saluer le courage de monsieur et madame Grelet. Oui. Grebeau. Grebeau. Bah oui, c'est changé depuis le temps. Ah, bon, d'accord. Monsieur, c'est tout ce que vous avez ajouté pour votre défense. Oui, absolument. À leur côté, nous les avons également réunis parce qu'ils sont complices dans un film dont nous parlerons au cours de votre parcours. Tout d'abord, Gérard Jugnot, des Bronzés, et son ami et notre grand ami à tous, Maurice Pirot. Mon ami Gérard Jugnot et moi-même sommes très contents d'être là au nom de la France. Voilà. Bravo. Bon, on va faire une déclaration définitive. Je ne vous dirai pas grand-chose sur Olivier Lejeune parce que vous le verrez constamment, il est mon complice pour inventer tous les jeux parfaitement stupides que nous allons vous présenter. Voilà. Monsieur Jean-Louis Blaise qui n'en peut plus de vous raconter une blague. Monsieur qui dit au chauffeur de taxi, vous ne pouvez pas reculer de 250 mètres. Et pourquoi? Parce qu'il me manque 2 francs 50. Notre charmante complice et amie que nous retrouvons avec plaisir, Sophie Darel. Si vous avez besoin de quelque chose, ne vous gênez pas, je suis là. Une excellente cuisinière. Un de nos deux invités d'honneur, et nous allons lui réserver une ovation toute particulière, Roland Magdan. Le taureau que vous allez découvrir maintenant, monsieur et madame Grebeau, regardez. Ce taureau va jouer un grand rôle tout au long de votre parcours. Car nous avons beaucoup de jeux où il y aura peut-être des erreurs possibles, avec des rattrapages possibles. Alors, monsieur Grebeau, je crois que là, vous aurez un grand rôle à jouer. D'ailleurs, nous saluons monsieur André Bézu, notre premier cow-boy. Je vous signale que ce taureau nous est prêté et nous sera prêté dans chacune de nos émissions par le Rex Club à Paris, où vous pourrez d'ailleurs, monsieur Grebeau, chaque soir aller vous entraîner, car il paraît que depuis que le président Reagan a envoyé ce taureau en France, il fait fureur et le Rex Club ne désemplit pas. Alors, pouvons-nous démarrer? Ah oui, oui. Nous pouvons démarrer. Allons-y. Alors, voulez-vous placer votre plaque pour la première fois, comme si nous étions au casino de l'Escargot?
Quel cas choisissez-vous? Allez. Le 4. Le 4, évidemment, vous ne pouvez pas aller plus loin que le 6, puisque nos dés ne comportent que 6 chiffres. Alors attention, premier coup de dés et bonne chance, monsieur et madame Gros. Eh bien, Valérie, s'il vous plaît, sur la case bleue devant vous. Case bleue, donc, d'une valeur de 200 francs. Nous allons maintenant, évidemment, comme cette case, comme toutes les cases, correspond à une case chanson, accueillir justement l'invité d'honneur, la deuxième invité d'honneur, dont la place était restée libre, Karen et Cheryl, avec son grand succès, si. Les enfants, si il aime le silence et le vent, si il pense un peu comme je pense, c'est gagné d'avance. L'homme que j'aime, ce sera lui. Si il aime la musique qui joue fort, c'est même encore un peu plus fort. Moi qui aime Rimbaud et John Lennon, si il est un peu comme je suis, moi pour toute la vie, l'homme que j'aime, ce sera lui. Si il aime la musique qui joue fort, s'il m'aime encore un peu plus fort. Monsieur et Madame Grobeau, mon concurrent, nos amis, tu es bien placé à ce premier rang fauteuil d'orchestre à côté de Roland Magdan. Alors très vite, cette première épreuve, monsieur et Madame Grobeau, inspirée de la chanson de Karen, si, si. Cela dit, monsieur Grobeau, comme c'est un jeu où il risque d'y avoir des erreurs, vous allez remplacer monsieur Bézu sur le taureau, car c'est à vous que Madame Grobeau fera appel pour vous rattraper. J'espère que vous êtes un bon cavalier. Pas du tout, ça se présente bien. Alors attention, qui choisissez-vous? Vous avez droit à deux aides. Roland Magdan. Roland Magdan vient à côté de vous. Et puis, à la bon goût. Hein. Maurice Biro. Maurice Biro. Eh bien attention. Volontiers. Monsieur Maurice Biro, vous venez là. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, on vous donne. Parlez très fort parce que vous n'avez pas de micro. Si je vous dis. Si je vous dis 1515. Hein, 1515. Il a lu sur mon papier. 1515, Bouvines. Bouvines. Et là, monsieur fait du cheval. Voilà, c'est ça. Il a tout expliqué, alors on est marre. Très bien. D'accord. Alors si je vous dis, il a perdu 52 kilos. Il faut qu'il dépose une plainte. C'est Demis Roussos. Très bien. Demis Roussos. Si je vous dis, les jumelles étaient en vogue en 1980. Les jumelles? Oui, les jumelles. Attention, c'est 5 secondes à chaque fois, hein, monsieur Roger Lagot. Ça pourrait être Zitrone, mais ça ne doit pas être ça. Oui. Roland, madame Grobeau, attention. Les jumelles. Les jumelles, c'était Denis Fabre ou Marlène Jobert. Oh. Et c'est également du taureau, les 10 premières secondes pour monsieur Grobeau. Allons-y. Ça sera gentil, je vous le promets, monsieur Grobeau. D'autant plus que vous avez une véritable position de super cowboy. Regardez-moi ça, le chapeau. Alors, il faut tenir la queue, le chapeau, il ne faut pas tenir les deux. Stop, ça c'est terminé. Oh là là, ils ont été très durs. Hein. J'ai l'impression que le taureau ne vous aime pas, monsieur. Très vite, si je vous dis, écoutez la différence.
France Inter. Oui, si je vous dis El Kabash. Le Canada. Pourquoi? El Kabash au Canada. Ah, oui, d'accord. Georges Marché. Oui, Georges Marché. 4807 mètres. Le Mont Blanc. Oui. La crème, très bonne. Mona Lisa. Pas de publicité. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Ah, là, c'est un petit peu plus difficile. Léonard de Vinci. Oui, non. Léonard de Vinci. Et l'hiver, c'est les homards de Vinci. Voilà. Et demain, si vous le voulez bien. Eh ben, à demain, si vous le voulez bien, notre ami Lucien Jeunesse, évidemment. Ah, oui. Bravo, madame, merci. Et monsieur... Oui, oui monsieur. Non, moi, je drague. Si je vous dis, c'est QFD. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, vous voyez, elle n'a même plus besoin de moi. Qui a du pif? Ah, bah, Cyrano, fatalement. Oui. 19h55 tous les mercredis. Ah, le loto. Loto. Le loto. Pomme. Allez, Beethoven, on y va, vite, on gagne du temps. L'autono. Hein, le Danaïde. Non. Le tonneau. C'est Démosthène. Non. Diogène. Oui, Diogène. D'accord. Je vous dis Hormèse ou donc Ornicar. Oui. C'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Qui dit ça? Ça, c'est bien vrai. Strasbourg-Saint-Denis. Oui, d'accord. Attention, ça, c'est bien vrai. C'était pas prévu au programme. Encore un petit coup de taureau, pas trop fort quand même. 15 secondes. Chronomètre. 15 secondes. Si vous rattrapez, je vous ferai grâce des dernières questions. Parce que c'est vraiment M. Grosmont qui aura sauvé la mise. Tenez-vous bien. Si vous tombez, tout est perdu. Les 20, enfin les 200 francs, pas le reste. Attention. C'est bien ça. Si on l'applaudit très fort. Oh. Combien, monsieur Roger Lagot? 200 francs. Monsieur Magdan, monsieur Biro, vous quittez, vous laissez monsieur Grosbourg reprendre sa place. Madame. En ce qui nous concerne, parce que nous sommes prudents, nous ne donnons plus de date, nous disons simplement à bientôt pour votre deuxième coup de tête. Bonsoir à tous, bonsoir monsieur et madame Grosbourg, bonsoir Roland Magdan, que vous ne pouvez plus quitter apparemment madame Grosbourg. Hein. Non. Vous avez bien fait, vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Alors nous en sommes à votre deuxième étape, non sans vous rappeler que hier vous avez réussi votre première épreuve et que vous gagnez actuellement 200 francs. Bon, alors nous passons donc au deuxième coup de dé, non sans avoir au préalable, en vous rappelant que vous étiez tombé sur la case 2 hier, donc la case 2, nous repartons de la case 2, vous placez cette plaque de 500 francs sur une des six cases suivantes. Laquelle? Le 5. Le 5. Donc, si tout à l'heure, grâce au coup de dé, le total du dé plus la case 2 de départ nous amène sur la case 5, vous aurez 500 francs de plus. La case 5 étant, elle, une case antenne 2, ça ferait 800 francs. Je vous le souhaite de tout cœur. Envoyez ce dé. Vite, nous souhaitons un 3, bien sûr, monsieur et madame Grosbourg. Un 3. Oui, le 3. Le 3, donc, sur la case 5, Valérie. Alors, Valérie, vous placez le 3 sur la case numéro 5, et Roger Lagot nous annonce la hauteur du coup. Eh bien, 500 francs, Guy. Plus 300, 800. Faut quand même pas tricher. Voilà, eh bien, au sujet des ordres, eh bien, nous allons maintenant, grâce à cette case, non pas une chanson nous attend, mais un sketch, et pas n'importe quel sketch, puisque c'est celui de M. Roland Magdan, et ce sont les organes. Allô, bonjour, ici l'estomac, j'ai un petit creux, quand est-ce qu'on mange? À table. Ici le cerveau, message reçu. Messieurs les organes, en place. Allô, la bouche, vous m'entendez? Je vous entends bien. Attention, je vous signale le passage d'un œuf à dur mayonnaise. Bonjour, ici le foie, comment elle est la mayonnaise? Elle a moins de 3 jours au com, bonne chance à tous. Bonjour, ici le cheveu sur la langue. J'aimerais parler au paquet de nerfs, si c'est possible. Ouais, si paquet de nerfs, ouais. C'est bête, que ça gueule. Wow, qu'est-ce qui peut être agressif, ce paquet de nerfs? Bonjour à toutes, ici les amis, ici les amygdales. Alors écoutez, on vient de voir passer le plat du jour, c'est une horreur. C'est du poisson, mes bichons. On va encore se prendre des arêtes plein la gorge, mais j'en ai marre. Bonjour. Ici le foie. Comment il est, le poisson? Il pue, ma biche, mais il pue, le poisson. Allô, oui. Ici la dent creuse, oui. J'ai emmerdé avec un fil de haricot, là. Est-ce que vous pouvez demander à la langue de me donner un coup de main?
Impossible, la langue est occupée, elle colle un timbre. Est-ce qu'on peut m'envoyer un doigt en dépannage? Je vous l'envoie tout de suite. Allô, le doigt dans le nez peut descendre dans la bouche. Bonjour, bonjour, ici le feu sur la langue. J'aimerais parler à la goutte au nez. Trop tard, elle vient de tomber, rappelez-vous tard. Attention, attention, ici la bouche. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La dent creuse vient de tomber. Elle s'est pendue avec le fil du haricot. Bonjour, ici les amis, ici les amygdales. Alors écoutez les dents là-haut. Les cochonnes, vous pouvez pas mâcher un petit peu, non? On vient de voir passer une nouille de 20 cm, c'est insensé cette histoire. Bonjour, bonjour, ici le foie. Comment elles sont les nouilles? Elle pue, ma biche, mais elle pue ses nouilles. Ça commence à bien faire. Je renvoie toute la marchandise. Attention, attention. Ici le cerveau. Planquez-vous tous, ça remonte. Eh bien, mon petit Roland, bien t'asseoir, bravo. Voilà un sketch qui fera date. Mais j'ai... Eh bien, c'est bien sûr ce sketch qui nous a inspiré. J'ai une blague sur les organes, moi. Ah, vous avez une blague sur les organes. Ah ben, allez-y. Un professeur qui devait décider qu'il y a de ses élèves, citez-moi un os très connu, le tibia, très bien. Maintenant, citez-moi un muscle très connu, le biceps, très bien. Maintenant, citez-moi un nerf très connu, sous les ponts de Paris. D'accord, vous nous interrompez pour cela, alors qu'une épreuve de la plus haute importance attend, monsieur et madame Grebon, une épreuve qui vaut 800 francs. Alors, cette épreuve, bien sûr, est inspiré du sketch de Roland Bagdan. Mais tout d'abord, nous allons, avant de vous soumettre à cette leçon d'anatomie, je voudrais que vous désigniez parmi tous nos amis celui qui va vous remplacer, M. Grebon, sur le taureau en cas d'erreur. Vous êtes tous partants? Oui. Il y en a qu'un qui n'a pas l'air d'accord. Alors peut-être... Ben oui, celui-là. Celui-là. Alors Gérard Jugnot. Gérard Jugnot. Et vous, monsieur et madame Grebon, vous allez sur l'escargot pendant que Gérard Jugnot fait partie de votre équipe et va vous rattraper en cas d'erreur. Car en effet, je vais maintenant vous énoncer des noms de différentes parties de votre individu. À chaque fois, vous devez instantanément m'indiquer l'endroit du corps concerné. Par exemple, monsieur et madame Grebon, si je vous dis cœur, alors ensemble et d'un commun accord, vous mettez la main sur le cœur. Alors à chaque erreur, Gérard Jugnot, pauvre Gérard. Ça va, cowboy? Ça va, il prend son temps pour monter dessus. Hein. Alors attention, c'est parti. Front, œsophage, tibia. Faute, 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 faute. Où il a mis l'œsophage? Il a mis l'œsophage au cou. Eh ben, vous savez... Eh ben, il a raison. Oh oui, il a raison quand même. Alors, pourquoi il y a faute? Qui est-ce qui avait mis... Allez, ça fait rien, c'est la première erreur, on passe dessus. Allez, les reins, larynx, estomac, biceps, soyons polis. Tympan, trapèze. Bon. La passée, la séchée. Alors, en fait, trapèze, je crois que c'est Gérard Jugnot qui va en faire un petit peu sur le taureau. Oui, c'est parti pour 10 secondes. Tenez-vous bien, mon cher ami. Envoyez. Oh, pas trop vite, pas trop fort. Pas trop, pas trop fort, pas trop fort, c'est un néophyte. Oh, pas trop fort, c'est un néophyte. Oh, non, non. Oh, il a lâché. Gérard Jugnot a arraché la queue du taureau. Stop, 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 stop. Il se croit une corrida, on lui a déjà donné la queue. Vous avez gagné la queue. Je ne sais pas si on pourra. Je ne sais pas si on pourra lui donner les oreilles. Nous poursuivons très rapidement ce jeu, attention. Colon, colon, colon. Vite, 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 colon. Iris. Oui. Clavicule. Appendice. Omoplate. Mollet. Duodénum. Non. Allez, je suis gentil. Fémur. Fémur. Bon, d'accord. Gérard Jugnot. On peut pas être gentil éternellement. Le fémur, j'espère qu'il ne va pas se le briser. Deux secondes. Très bien, 2 secondes. Et là, nous l'envoyons pour 15 secondes, mais à la même vitesse, bien sûr. Il a plus de queue pour se tenir, c'est très grave. Attention. Ah, vous savez, je vous rappelle que ce taureau fait fureur au club du Grand Rex. Vous pouvez d'ailleurs aller vous entraîner, ce que d'ailleurs... Gérard Jugnot va sûrement faire dès qu'on va l'avoir libéré de cette position inconfortable. Attention, les 7 dernières questions. Ça va, ça va, ça va. Stop, 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 stop. Bravo, on applaudit Gérard Jugnot quand même.
nous repartons, c'est tout à fait de circonstance, par le coccyx. Ensuite, c'est Fontanelle. Là. Oui, oui, d'accord, on voit que vous avez des enfants. Rotule. Côte. Astragale. L'astragale, c'est le... Oui. Comme mon costume. Poumon. Trompe de stache. Thorax. Talon d'Achille. Le nez. Le coude. Le menton. La nuque. Le poignet. La cheville. La colonne vertébrale. Le nombril. Les cheveux. L'orteil. Le pouce. Et la langue, vous le tirez. Oui, et voilà, oh, bravo. C'est gagné. Gérard, vous êtes libre. Et très vite, nous allons immédiatement demander à monsieur et madame Grebeau de nous placer la plaque de 500 francs sur un autre numéro, alors que nous étions, Roger Lagot, resté sur quelle case? Nous étions sur la 5, mais d'ores et déjà, monsieur et madame Grebeau ont gagné 1000 francs. Oh. Alors, sur quelle case vous posez votre plaque? Vite. Allons, la plaque de 500 francs, mais vous rêvez de... Valérie. Le 9. Le 9. Sur le 9, attention, envoyez le dé. En fait, il faudrait un 4, là, n'est-ce pas? Il faudrait un 4, ça serait parfait. Ah non, c'est un 5. Nous sommes sur la case. Sur la plaque 10. Quelle plaque valeur? Plaque rose, plaque d'une valeur de 100 francs. Et combien reste-t-il, monsieur Georges Barrier, notre réalisateur? Parce que le jeu, maintenant, qui va nous permettre d'accueillir Philippe Châtel, est étroitement lié avec le temps qui nous reste. 2 minutes. 2 minutes. Alors, en fait, il y aura une petite conclusion, 20 secondes après le jeu. Alors, pour la somme de combien, Roger Lagot? 100 francs. Eh bien, pour la somme de 100 francs, vous allez devoir arrêter cette chanson de Philippe Châtel, qui précisément parle un peu d'escargot à certains moments, à 1 minute 30. Bien entendu, vous me remettez vos montres. Comme notre ami Roland McDan, montre tes poignets. Il n'en a pas parce qu'on ne sait jamais avec lui. Il aurait pu vous souffler. À 1 minute 30, vous arrêtez Philippe Châtel. 1 minute 30. 1 minute 30, 10 secondes avant, 10 secondes après, c'est gagné quand même. Je vous prends la mètre. 1 minute 30. Ceux qui disent adieu et qui restent, je voudrais partir avec mon adresse. Je voudrais m'enfuir sans rien laisser. Tout quitter, mais tout emporter. Mais tout emporté, avec ma maison sur le dos, comme un escargot. Il y a des jours, et c'est pas commode, où je m'envoie dans les antipodes, pour oublier ce qui me gêne en moi, en rêvant de garder ce qui va mieux que ceux qui font jamais ce qu'ils disent. J'emporterai dans ma valise mes échecs pour jouer et gagner. Tout quitter, mais tout emporter. Tout quitter, mais tout emporter. Avec ma maison sur le dos, comme un escargot. Il y a des jours et c'est compliqué, où je veux quelqu'un d'autre à aimer. Je la vois dans un rêve tendre. Si tu savais comme elle te ressemble, mieux que ceux qui n'aiment plus mais qui restent. Ne jamais gâcher ma tendresse. Stop, stop. Alors, nous allons connaître le verdict en régie. À quelle seconde exactement a été arrêtée la chanson de Philippe Châtel? Très étonnant, 1 minute 25. Oh. 1 minute 25. Oh. J'étais un peu en avance, Roland. Vous aussi, monsieur Grebeau, bravo. Vous gagnez 100 francs de plus. Nous en sommes à combien au moment où nous nous séparons? 1100 francs. Eh bien, à votre prochain coup de dé, et toujours sans date, si Dieu le permet. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous nos amis et surtout bonsoir monsieur et madame Grebeau. Alors, nous en sommes à votre troisième étape, troisième rendez-vous, mais déjà au quatrième coup de dé. Ce serait peut-être d'ailleurs bien parce que quand on raconte un peu une nouvelle émission, on la raconte un peu trop vite. Et moi qui suis joueur, habitué des casinos, il est peut-être bon de préciser comment se déroule ce fameux système de cette petite plaque de 500 francs que je vais demander à Valérie de bien vouloir apporter et la montrer aux caméras. En effet, cette plaque de 500 francs, c'est un plus. Chaque fois que vous désignez une case,
et que vous mettez cette plaque de 500 francs dessus et que grâce au système de notre jeu de dés vous tombez dessus, c'est 500 francs de gagné en plus du prix de la case. C'est compris ? Alors, attention, sur quelle case, pour ce quatrième coup de dés, allez-vous mettre cette plaque de plus 500 ? Où est-ce qu'on en était déjà ? 9. Vous êtes actuellement sur la case combien, monsieur Lago ? 10. Numéro 10. 10. Alors, vous avez de 10 à 16. Dépêchons-nous. Vite, 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 vite. 12. 12, oui, parce que vous savez que rien ne va plus, c'est comme au casino. Alors, si grâce à ce coup de dé, nous sortons à 2, 10 plus 2, 12, vous aurez donc 500 francs de plus sur cette case qui vaut déjà 300 francs, puisque c'est une case antenne 2. Envoyez le dé. Un 2 de toutes nos forces. Nous appelons un 2 de toutes nos forces. Eh bien... Le 5. 10 et 5, 15. On... parmi vos supporters, Roger Lago. Oui, eh bien nous allons sur la case 15, qui est une case rose d'une valeur de 100 francs. Ah, vous tombez souvent sur les 100 francs. Hein. Oui, on n'a pas de chance. Vous n'avez pas de chance. Mais enfin, pour l'instant, vous n'avez pas encore perdu cette plaque, car vous savez qu'au premier échec, je vous la reprends. Il faudra attendre la case 21 pour en récupérer une autre, qui sera d'ailleurs 2000 francs. Pour l'instant, nous allons nous laisser bercer par un film, par un extrait de film. En effet... de ce film qui va nous permettre d'ailleurs de saluer deux des interprètes de ce film, Maurice Birot et Gérard Jugnot, notre cow-boy de service d'hier. Et ce film nous permet de voir un extrait de Pourquoi pas nous. Voilà, bravo, bravo, monsieur. Je crois que vous pouvez les féliciter. Bon, quand vous aurez fini de recevoir les félicitations de tout le monde, et notamment de Karen Cheryl, alors vous pourrez peut-être nous expliquer, Maurice et Gérard, en deux mots, quel est ce film de Michel Berny avec Aldo Macchione et Dominique Lavenant, et notamment avec vous deux. En l'occurrence, sur la scène qu'on vient de voir, on a deviné, Macchione est un catcheur, et il tombe amoureux de cette libraire, ce qui est absolument, pourquoi pas nous, c'est un couple vraiment qui n'est pas fait au départ pour s'entendre. Et là, elle a assisté à un match, et vous savez, les catcheurs, quelquefois, sortent du ring, et il est tombé sur la malheureuse Lavenant, et il lui a cassé la jambe, et il vient s'excuser sur les instigations de son impresario. Moi, je suis l'arbitre dans le film. C'est l'arbitre, il lui arrive beaucoup d'aventures. On ne pourra pas dire que ce film ne casse rien. Et le ring est le propre de l'homme, bien sûr, voilà. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, je vous rappelle le titre de ce film, Pourquoi pas nous, de Michel Berny, avec cette distribution ô combien sympathique que nous venons d'entrevoir. Eh bien, vous allez continuer à faire preuve, d'ailleurs, de vos talents de comédien. Voulez-vous vous lever, monsieur Maurice Birot, monsieur Gérard Jugnot? Oui, oui. On s'en va? Monsieur André Bézu et monsieur Jean-Louis Blaise, nous avons besoin de vous pour la première étape de cette rencontre qui va en comporter trois. Vous allez avoir à deviner des quatre répliques qui vont vous être offertes par ces quatre comédiens, celle qui est exactement la bonne. Et en plus, vous devrez nous dire à quel film nous l'avons emprunté. Mais pour cela, je voudrais d'ailleurs que ces quatre répliques vous soient données à vous, madame Grobeau. Alors, voulez-vous aller sur l'escargot? Car tout à l'heure, ce sera peut-être M. Grobeau qui devra donner la réponse. Alors attention, premier séducteur, Jean-Louis Blaise. T'as de belles mirettes, tu sais. Embrasse-moi. Deuxième séducteur, André Bézu. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. il profite de la situation. Excusez-le, monsieur. Troisième séducteur, Maurice Birot. T'as une belle bouche, tu sais. Regarde-moi. Quatrième réplique par Gérard Jugnot. T'as un beau regard. C'est dommage que le droit ne soit pas exactement comme le gauche, mais embrasse-moi quand même. Voilà. Alors maintenant, monsieur Grobeau, vous allez remplacer un de ces séducteurs et vous allez prononcer à madame Grobeau, votre épouse, la phrase que vous croyez la bonne, en la regardant bien sûr les yeux dans les yeux. Et nous allons voir si vous avez trouvé la bonne réplique. Alors je vous écoute. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Allez, bien. Allez-y, bravo, on les applaudit parce que c'était la bonne réplique. Mais je voudrais quand même que vous ajoutiez de quel film est tirée cette réplique. C'est Quai des Brumes. Pardon ? Quai des Brumes. Bravo ! Alors, vous restez sur l'escargot, monsieur Grobeau, et c'est madame Grobeau qui vient s'asseoir, pour écouter maintenant, alors, deux vampes qui vont se succéder devant votre époux, madame Grobeau, pour donner quatre autres répliques d'un film célèbre. Tout d'abord, la première vampe, je crois que c'est Sophie Darrel. À toi l'honneur, Sophie. Atmosphère, est-ce que j'ai une tronche d'atmosphère?
À Karen Chérie. Atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'ai une bobine d'atmosphère? Troisième, Sophie. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Et enfin la quatrième, Karen Chérie. Atmosphère. Est-ce que j'ai un air d'atmosphère? Ben, ce sont des atmosphères bien agréables en attendant. Madame Grebeau, maintenant c'est à vous d'aller prononcer auprès de Monsieur Grebeau la bonne de ces quatre répliques. Karen Chérie va vous laisser la place et vous vous adresser à votre époux. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Voilà, nous les applaudissons. La moitié du chemin est faite, mais quel est le film dont nous avons tiré cette réplique? Hôtel du Nord. Bravo! Alors, il n'y a plus que Monsieur Grebeau qui reste, car maintenant, quatre docteurs vont se pencher sur son cas, avec stéthoscope en main. Et tout d'abord, le premier de ces docteurs, c'est le docteur Teddy, qui va venir vous adresser une première des quatre répliques. Et il n'y a qu'une, toujours qu'une de bonne, trois de fausses. Approchez-vous un peu, voilà. Alors, ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Bon, la première des consultations est terminée. Voici celle d'André Bézu. Alors, espèce de nouille, ça vous dérouille ou ça vous embrouille? Même drôle de manière de traiter ses clients, lui. Le troisième docteur, c'est notre ami Maurice Biraud. Alors, ça vous trifouille ou ça vous gargouille? Et enfin, le quatrième de nos praticiens, c'est monsieur André Gaillard, qui réclame son stéthoscope parce qu'il a besoin de prendre le cœur de monsieur Grebeau. Alors, c'est-il comme une grenouille qui vous barbouille ou vous trifouille? Voulez-vous choisir de ces quatre curieux docteurs celui qui, à votre avis, est le plus indiqué pour avoir donné la bonne réplique? Ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Et lequel était-ce? Ben, il doit s'en rappeler, celui qui l'a dit. Ah oui, non, c'est moi, mais... Voilà, c'était le docteur Teddy, bravo. Et dans quel film? C'était Knock. Voilà, bravo, ils ont gagné leur épreuve. C'est dommage que ça ne soit qu'une épreuve à 100 francs, parce que vous avez fait preuve de beaucoup de connaissances cinématographiques. Très vite, quel est le score, Roger? Eh bien, bravo, un 4 sur 4, un sans faute est toujours en route pour le Grand Chelem, 1200 francs. Bravo! Avec une multiplication par 5. Karen Chérie ne va pas quitter la médecine ni le corps médical, car elle va nous parler d'un docteur qu'elle considère menteur. En effet, docteur qui certainement est un vilain, un affreux menteur. Et enfin, c'est ce que nous allons voir en écoutant cette chanson qui fut d'ailleurs un de ses grands succès sur laquelle nous nous séparons en disant à bientôt, monsieur Mme Grebeau, pour votre cinquième coup de dé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous les amis, bonsoir amis du public, bonsoir monsieur, madame Grebeau. Nous vous avons quitté hier en compagnie de Karen, c'est avec elle que nous recommençons cette émission au seuil de cette quatrième étape. Docteur, j'ai un petit truc qui va pas. Tous les matins à 7h, je fais pipi. Tous les matins à 7h. Mais ça, il dit, c'est très bien. Ça prouve que vous êtes très bien réglé. Dis donc, il y a un inconvénient. Je ne me réveille qu'à 8h. Rêve de plaisanterie. Revenons à des choses plus sérieuses, monsieur Mme Grebeau. Et notamment à votre cinquième coup de dé. Alors, on va rappeler la situation parce que je crois qu'elle devient assez intéressante. Et ils sont actuellement à quelle case, Roger? À la case 15. 4 coups de dés, 4 bons coups de dés et une somme de 1200 francs au crédit de monsieur et madame Grebeau. Donc sur le chemin du Grand Chelem, il n'y a pas eu d'erreur et vous êtes à la case 15, c'est-à-dire que si vous faites un 6, vous arrivez à la case 21. Alors la case 21, c'est une case sur laquelle il faut quand même que je m'arrête quelques secondes. C'est une case formidable parce que si vous tombez en plein sur la case 21, non seulement on va vous donner une deuxième plaque qui sera une plaque de 1000 francs, mais en plus vous pourrez repartir pour un deuxième tour d'escargot d'où vous voudrez. Voyez ? Et comme à chaque fois que vous passez par la case 21, on vous donne une plaque de 1000 francs maintenant, voyez, ça vaut le coup. Donc on va attendre avec impatience que vous tombiez dans la case 21. Cela dit, vous avez quand même, car nous sommes encore dans le premier tour, toujours à placer votre plaque de 500 francs sur une case de votre choix. Ce plus 500. Alors, très vite, votre choix. 21. 21. Alors là, vous jouez le grand chelem, c'est le cas de le dire, le grand jeu.
Alors là, vous jouez sur tous les tableaux. Eh bien, maintenant, attention, pour ce coup de dé, lâchez le dé. Et tout le monde attend un 6. Le 6. Ah, il n'en manquait qu'un, mais ce petit point va peser lourd, cela dit. Eh bien, nous allons sur la case 20. Et alors là, on tombe véritablement de caribe en syllabe, alors c'est une case à 100 francs, c'est pas du tout pareil. Cela dit, il faut le jouer, c'est le jeu, c'est peut-être une case sur laquelle vous allez trébucher, parce que ce n'est pas une case facile. En effet, vous savez que Karen Cheryl est toujours à la recherche de textes pour ses chansons. Il se trouve que parmi nos amis, il y a un poète. Je ne sais pas lequel d'ailleurs, qui a composé un poème. Malheureusement, il a oublié toutes les rimes, tous les derniers mots de ces rimes. Alors, vous allez, monsieur Grobeau, parce que c'est une épreuve, vous allez devoir peut-être attraper madame sur cette merveilleuse monture à cornes. Alors, bon courage, monsieur le cavalier. Madame Grobeau, voulez-vous choisir deux poètes pour être à votre droite et à votre gauche ? Karen Cheryl. Sans aucune intention politique, Karen. Karen. Et puis... Et à votre gauche, du côté du cœur... Maurice Biraud. Oh là là. Il a beau avoir 100 ans, Maurice, il est toujours aussi séduisant. Voilà. Allons-y. Eh bien, mon cher Maurice, n'hésitons pas maintenant à donner les répliques. Et si d'aventure, parmi nos amis, quelques-uns veulent t'aider, ne vous en privez pas. Il s'agit... de donner uniquement des rimes exactes ou approchantes, mais oui. Toujours en ac. Ac. Toujours en ac. Oui, en effet, voici le début de ce poème intitulé Fric Frac. Oui. C'est normal. Oui. Et qui commence par j'ai répondu du tac. Au tac. Bien. Comme une voix à son play. Bac. J'ai pris mon manteau et. Mon claque. Mes claques. Non. Mon sac. Oui, il était temps. Et toutes mes pensées en vrac. Oui, toi tu sifflais de l'eau. Fenbach. Oui, bravo de l'Offenbach. Mais ton cœur a soudain fait. Tic tac. Tac tac. Tic tac. Tic tac. Non. Terminé. 3 secondes, c'était couac. Alors voulez-vous pour 10 secondes jouer une mélodie? Ah oui, parce qu'on parlait de l'Offenbach. Ah oui, le poète est parmi nous, vous lui demandez des explications. Pendant ce temps-là, monsieur, Grobeau est en train de s'occuper d'un tout autre poème. Oh. Attention, terminé. Si plus ça va, mieux, meilleur il est. Hop, on continue la poésie. Bien, la pendule a fait. Tic-tac. Oui. J'avais pris mes clics. Et mes claques. J'en ai marre de tousser. Attention, attention. Mac. Oui, Mac. Bravo, monsieur André Gaillard. J'ai la trouille, tu me fous. Le trac. Oui, il fallait bien qu'un jour ça craque. Oui, comme un mélo de briques. Brac. Fin d'une histoire en. Un acte. Non. Trois actes. Attention, une seconde. Cinq actes. Deux secondes. Une histoire qui finit en. Cul-de-sac. Cul-de-sac. Qui a dit cul-de-sac? Vous pourrez aller l'embrasser, madame Grobeau, parce que c'était encore, surtout vous pourrez aller l'embrasser, monsieur Grobeau. Ah, oui, qui se termine donc dans le. Mic-mac. Dans le. Je reprends la phrase précédente. Fin d'une histoire en cul-de-sac qui se termine dans le. Lac. Oui, lac. Écoutez, monsieur, c'est terminé. Vous ne pouvez plus intervenir. Vous êtes un poète né. Merci. Eux, ils doivent se débrouiller. Hein, terminé. Mais parfaitement, mais parfaitement. Tape-moi donc un bon. Pardon ? Offre-moi donc un bon. Marc. Non, un bon. Du cognac. Non, alors là, c'est des. Hein ? Trop tard. C'était un cognac. Il en faut peut-être un pour monsieur Grobeau, qui va maintenant avoir 15 secondes. Ah. Vous avez dit quoi ? Il avait dit Marc. C'est un alcool. C'est tellement agréable de voir votre mari. Attention ! Oh, il m'a arrêté à temps. Alors, offrez-moi donc un bon cognac. Oui. Ne prends pas pour Ravaillac. Ravaillac. Tout ça, c'est à cause du zoo. Diac. Qui pousse les astres des mots. Niac. À nous faire des coups de. Jarnac. Oui. Pour que la machine se. Détraque. Oui. Il a fallu que tu marres. Nac. J'ai bien failli devenir. Brac. Tu n'es plus mon A. Mon A. Mon A. Une fois. Mon A deux fois. Mon A deux. Mon A trois fois. Mon aphrodisiaque. Aphrodisiaque. Le taureau, 15 secondes. Vous allez peut-être perdre l'épreuve. Alors là, malheureusement, on soumet monsieur Grobeau au grand régime. 10 secondes. Il reviendra plus. Ouh là là, encore 10 secondes, il est formidable. On va lui faire véritablement une acclamation. Une acclamation pour un travail. Elle est formidable. Mais la poésie n'est pas terminée, hélas. Ma vie devient para. Noyage. Paradisiaque. Je t'ai laissé ta ca. Diac. Ton pognon et ton art.
Ton art, maniaque, oui. Tu es rusé, tu messes. Tu messes. Tu messes. Tomac, j'ai peur que tu ne contres. Que tu ne contractes. Toi, le penseur un peu... Maniaque. Oui, tu salives de là. De l'ammoniaque, voilà très bien, que tu rejettes en vaste flac quand tu veux me vider ton sac. Alors adieu, mon très cher. Un prénom. Jacques. Dors bien tout ça. Oui, très bien. Il va me taper. On va pas dire Lucien. Oui, mais d'accord. C'est pas très riche. Alors dors bien tout seul dans ton. Dans ton hamac. Oui. Ne cherche plus ta ma. Trac. Tu pourrais casser là. Bah, vous n'avez pas tellement cassé, mais enfin bravo, monsieur Grégo. Très vite, combien? Quel est le score? 1300 francs. Maintenant, nous allons parler de ce sixième coup de dé. Vous savez que vous avez pour l'instant un parcours sans faute, et ce sixième coup de dé est quand même très important. C'est pour ça que nous pouvons nous y arrêter quelques instants. En effet, vous êtes sur la case 20. Donc, pour faire 21, cette fameuse case miracle, il faut absolument faire un 1. Donc, j'imagine que votre plaque de 500 francs que vous allez utiliser pour la dernière fois, car maintenant, vous l'avez définitivement à vous, sauf si vous perdez cette ultime épreuve. Alors, cette plaque, vous allez la placer sur quelle case? Le 21. Le 21, je ne vous le fais pas dire. Si vous ne faites pas un 1, par contre, si vous ne faites pas un as, vous allez passer au-dessus de la tête de l'escargot, ou vous allez quand même hériter d'une plaque de 1000 francs pour aborder votre deuxième tour, mais là, vous serez obligé de repartir sur la case départ, car il n'y a que la case 21 qui vous autorise à choisir une case pour repartir. Alors, attention, sixième coup de dé. Oui, non. Ah, dites donc, ou c'est un en plus ou un en moins. Alors, Roger Lago, cela veut dire... Eh bien, cela veut dire que nous repartons sur la case numéro 2, mais qui est déjà une case allumée. Case allumée, oui, alors là, petit point de détail important, en effet, lui, il a toujours les tours pressés, Roger. On est reparti de la case départ, on a marqué les deux points que vous venez de marquer, et vous êtes tombé sur une case déjà allumée, ce qui vous donne droit à un nouveau coup de dé, car les cases allumées permettent de rebondir. Autre coup de dé, mais préalablement, la plaque 2000 francs qui vous appartient maintenant, vous la placez sur quelle case? Car maintenant, ce n'est plus 500 francs en plus, c'est 1000 francs en plus. Ah, ça devient passionnant, hein, et angoissant. On se croira au casino. Faites vos jeux, rien ne va plus. On va tenter de rebondir sur la 5. Ah, c'est vrai, elle vous a porté bonheur au cours du premier tour. En sera-t-il de même au cours du second tour? Par conséquent, nous appelons tous un 3. Envoyez le dé. Oh, on l'a vu encore. Ah. 1 sur la case 3. Vous êtes bien sur une case antenne 2, la case 3, qui vaut 300 francs. Mais malheureusement, en ce qui concerne la plaque de 1000 francs, que Valérie va retirer avec l'autre dé, parce que ça devient un champ de bataille, eh bien, pour l'instant, il n'y a que 300 francs en jeu pour cette épreuve, qui va d'ailleurs nous permettre, du côté chanson, de retrouver l'extraordinaire succès de Richard Sanderson, La Boum, qui aura un rapport très précis avec l'épreuve qui vous attend demain. Eh bien, à tous et à toutes, bonsoir, merci de votre présence. Bonne chance pour demain. Ou un autre jour, on ne sait jamais. Au revoir. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir mes amis. Bonsoir Madame Gorbeau. J'ai dit bonsoir Madame Gorbeau car vous êtes seule et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Au préalable, je crois que bien que vous soyez seule, il est quand même tout à fait naturel de faire le point. Car en effet, nous avons jeté le dé lors de la dernière mission et nous allons jouer le coup de ce coup de dé. Alors ce coup de dé était lequel? Quel était-il, mon ami Roger? Eh bien, c'est le numéro 3 où se trouve Valérie actuellement. Et j'en profite pour vous dire, Madame, que pour l'instant, vous avez fait un sans faute, 5 sur 5. Que vos gains sont de 1300 francs et que vous allez jouer maintenant pour 300 francs. Bravo. Voilà, et toujours sans faute, eh ben, c'est formidable. Cela dit, ai-je besoin de préciser qu'au cours de ce premier tour d'escargot, comme vous étiez les premiers concurrents, nous avons été très coulants, mais maintenant nous allons être infiniment plus rigoureux. J'avais l'impression. Il faut serrer la vis. Maintenant, il faut être ferme. Oui, vous avez l'impression qu'il faut être ferme, mais absolument. Il faut le retour à la terre s'impose. Mais moi, je crois que les gens les plus fermes, ce sont les cultivateurs. Oui, d'abord. Très bien.
Eh bien, par conséquent, en effet, sur la case 3, au cours du deuxième tour, vous n'avez plus maintenant que combien de coups de dés à jouer, Roger ? Encore 4, puisque celui-ci était le sixième. Et vous avez maintenant une plaque de 1000 francs à engager. Mais cette plaque de 1000 francs, vous l'aviez engagée hier et vous ne l'avez pas gagnée. Pour l'instant, je vais donc demander à Valérie de bien rester tranquillement sur cette case numéro 3. Et cette case numéro 3, eh bien, Madame Grebeau, c'est celle que vous allez en effet jouer sans votre mari. Enfin, pas tout de suite. Nous l'avons fait sortir, car au soir de votre première boum, boum nuptial, bien entendu, en un mot, votre nuit de noces, Monsieur Grebeau a dû prononcer des paroles inoubliables. Vous en souvenez-vous ? Non, pas du tout. Ça lui ferait plaisir, s'il le tenait. Eh bien, écoutez, nous vous proposons, tant pis, de revivre cet instant, mais très pudiquement, je m'empresse de le dire, grâce au quiproquo que nous avons imaginé. En faisant revenir M. Grebeau, qui n'est au courant de rien, et en se contentant de lui remettre son micro, en fait, il va s'asseoir là, devant le micro, personne n'a le droit de rien dire, et nous allons supposer que pendant 1 minute 30, tout ce qu'il va dire, c'est ce qu'il vous a dit au cours de cette merveilleuse nuit nuptiale. Vous voyez ? Eh ben. Voilà. Alors, toutefois, comme il y a jeu, il faudra au moins, pendant 7 minutes 30, que sans savoir où il est, sans filet, il émette au moins 10 réflexions. S'il émet que 8 ou 9 réflexions, c'est perdu. Ah, c'est un jeu. Et vous êtes déjà maintenant dans le deuxième tour. Il y a beaucoup d'argent maintenant. Alors, s'il restait en panne, vous êtes autorisé à lui faire des gestes. D'ailleurs, de dire parler, parler, parler. Vous comprenez ? Allez-y. Vous avez compris ? Alors, je répète bien, pour nous mettre dans l'ambiance, tout ce qu'il va dire pendant 1 minute 30, nous supposons que c'est ce qu'il vous a dit il y a quelques années. Voilà, je n'en dis pas plus. On fait revenir M. Grebeau sous les applaudissements nourris. Asseyez-vous confortablement, M. Grebeau. Vous avez le micro pour 1 minute 30. Et qu'est-ce que je fais du micro pendant 1 minute 30 ? Il faut que je l'occupe. Ah bon ? Vous voulez que je vous raconte des histoires ? Je ne connais pas autant d'histoires que Blaise, mais... De quoi est-ce que je pourrais bien vous parler ? Du jeu d'escargot, par exemple. Tout à l'heure, j'étais très déçu parce que je pensais aller sur le 5 et rebondir, et peut-être aller sur le 9. Et alors, avant, je vous amuse ? Bon, et alors, donc, je ne suis pas tombé sur le 5, je suis arrivé sur le 2. Ah, il y a un truc, là. Où je trouve, vous ne mettez pas sur la voie du tout. C'est kafkaïen comme situation. Bon, là, c'est moins drôle. Bon, alors, je vais continuer à vous parler d'escargot. Alors, en passant sur le 5, je pensais rebondir sur le 9, et puis de là rebondir sur le 12, ce qui fait que j'aurais gagné un maximum d'argent. Encore 30 secondes. Bon, alors, plus je gagne d'argent, plus je vous amuse. Alors, peut-être un rapport avec les sous. Il faut que je trouve quelque chose. Non, je vais... Personne m'aide, c'est angoissant. Bon, bah, écoutez, je suis loin du temps encore, là. Non, parce que j'ai vu les speakerines faire ça à la télévision. Cinq secondes. Je suis pas tellement doué pour occuper l'antenne. Stop. Stop. Ah, oh, monsieur Grebeau. Monsieur Grebeau, quoi qu'il en soit, je vous dis tout de suite, vous avez gagné cette épreuve. Oh là, on comptait sur 10 réflexions, vous n'avez pas arrêté, parce que vous êtes bavard. Mais malgré tout, je voudrais savoir si vous avez été intarissable de cette manière au cours de votre nuit de noces, parce que tout ce que vous venez de dire, on a supposé que c'est ce que vous aviez dit. Ah bon, je voulais gagner plus d'argent. Oui, qu'il fallait vous mettre sur la voie. Il fallait rebondir. Oui, qu'est-ce que vous aviez déjà vu ça à la télévision. Vous n'avez pas des réflexions à faire, là, mes amis, sur cette nuit de noces? Si. Par exemple, Maurice. Je comprends que madame ait gardé un très bon souvenir de cette nuit de noces. Ah oui, j'ai trouvé ça très pittoresque. Moi, ah oui, oui, c'est... Puis il s'intéresse à tout. Ah oui, oui, absolument. Il ne pense pas tomber, quoi. Je veux dire, c'est... Ah non, non, il a... Alors, il a numéroté sa femme, d'après ce que j'ai compris. Il a parlé du rebondissement, Il avait, semble-t-il, numéroté sa femme. Il tombait sur la partie 2, sur la... À quoi pareil... Ah, oh, on va quand même pas lui demander à quoi correspondait le 5 et ah le 2. Ah non, quand même. Oh, non, mais par contre, j'ai entendu une chose à propos de mariage. J'étais dans un restaurant, c'est une histoire absolument authentique. C'était un restaurant très sympa, il y avait des jolies petites nappes, des chandelles. Et il y avait un monsieur et une dame à une table.
Et c'était le mari et la femme, j'ai pas pu me gourer, ils se sont engueulés toute la soirée. Et ça commençait à chuchoter, comme ça, oui, tu es une garce, tu es un salaud. Alors tout le monde s'est arrêté, puis tout d'un coup, la femme se lève, elle lui fait, oui, eh ben je vais te dire la vérité, tu m'as épousé parce que j'avais de l'argent, là voilà la vérité. Il y a un grand blanc, l'autre il prend ça en pleine poire, il fait, quoi? Qu'est-ce que tu dis, Paulette? Elle fait, il n'y a pas de Paulette qui tienne. Tu m'as épousé parce que j'avais de l'argent. Voilà la vérité. Mais fais-tu du n'importe quoi, je ne t'ai pas épousé parce que t'avais de l'argent. Je t'ai épousé parce que j'en avais pas. J'espère que ce n'est pas une histoire vécue. Si, oui, bon, d'accord, très bien. Ah, Blaise, ça m'aurait étonné. Ah, mais, bah, alors, mais c'est pas vous, parce que vous avez parlé d'argent. Il a parlé d'argent, il a dit, faut-il que je gagne beaucoup d'argent? Oui, il est très intéressé. Alors moi, je vais parler de mon mariage, c'est-à-dire... C'est ma femme est très heureuse depuis mon mariage. Tous les matins, je lui apporte son café au lit le matin. Elle n'a plus qu'à le moudre. Hein. Ah oui. Je vais vous raconter la seule histoire que Blaise n'ose plus raconter. L'histoire d'un mari qui ne se laisse pas faire. Il entre dans le bistrot, c'est ça, hein? Bar, il entre dans le bistrot où sont tous ses copains. Il leur dit, mes enfants, ce soir, c'est vous qui êtes tous cocus. Je viens de coucher avec ma femme. Eh bien, nous allons quand même maintenant prendre connaissance du score après votre brillante performance, monsieur Grebeau. C'est enregistré, vous pourrez vous rappeler comme ça aux nuits de Noël ou alors dans les veillées ce que vous avez dit à madame Grebeau au soir de la nuit de noces. Alors, ce score... Eh bien, pour l'instant, 1600 francs. 1600 francs, toujours un sans faute, alors que nous avons 6 épreuves. Alors écoutez, je crois que maintenant nous allons laisser l'inventeur de ce jeu parfaitement indiscret vous raconter comment il voit la fin de cette émission. Olivier. Eh bien, pour la fin de l'émission, je réservais une petite surprise à mon camarade de classe de lycée. Nous étions, 15 ans au lycée Pasteur ensemble, Gérard Jugnot. Il est sorti en même temps que M. Grebeau. Il est aussi dans le secret, il ne sait pas ce qui va se passer. On va le faire revenir et on va voir sur un comédien professionnel ce que ça peut donner. Gérard Jugnot, à toi de jouer. Alors Gérard, monsieur dame, micro pour 1 minute 30. J'ai peur que ce soit un jeu de con. Ah, il part bien. Oh, il part voilà. Bien, oui, ça c'est... Oui. Oh là là. Oh là, il y a un piège là. Il y a un piège. Oui. C'est avec... C'est avec monsieur, madame. Il n'est pas sectaire. Oh. Ah oui, d'accord. D'accord. Ça va jouer, ça. Le bœuf ne va pas jouer. Alors. Je crois que quelqu'un peut dire quelque chose là-dessus. Oui, pour y m'aider, là. Oui, c'est pas moi, mais la SPR va certainement dire quelque chose. Oui, moi je trouve que Gérard a un tempérament fonceur. Ouais. Laissez-le parler. J'ai peur qu'il y ait quelque chose de sexuel derrière ça. Oh. Encore 30 secondes. Encore. Bah, il faut qu'on se dépêche, là. Je comprends vaguement le truc, là. Alors, bon, je comprends. Qu'est-ce que je pourrais dire comme cochonnerie Je vais peut-être me déshabiller un petit peu. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est une histoire comme ça, là. Eh bien, mon cher Gérard, on va vous mettre au courant parce que maintenant, nous allons prendre congé de nos amis. Nous voulions finir sur cette note ô combien sympathique et amusante. Oui. D'ailleurs, on a été beaucoup moins rigoureux avec vous qu'avec M. Grebeau tout à l'heure. Et vous avez en effet un peu deviné à nos réflexions. C'est genre de ces banquets, là. Mais Olivier, le jeune inventeur de ce jeu, va vous prendre après l'émission pour vous raconter tout. Oui, voilà, j'espère bien. Nous félicitons encore M. et Mme Grebeau. Nous rappelons que nous allons les retrouver dans la prochaine émission pour quel coup de dé, Roger? Le 7e. Et vous ne serez plus qu'à 4 coups de dé du Grand Chelem. Alors, serrons les doigts. Bonne suite de parcours. Allez, au revoir.